92, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 498. Un œuf à cheval. Bonjour. Oh, bonjour, Mac. Laisse-le sur le comptoir. D'accord. Un œuf à cheval et le dernier pour la bonne bouche. Un œuf à cheval. Je vous apporte le ketchup tout de suite. Oh, je voulais vous dire que si jamais le cœur vous en dit, les pourboires ne sont pas interdits. Autre chose que des catalogues? Oui, deux ou trois factures. Comme d'habitude. Oh, ce que l'air est lourd ici. Oui, ils fument tous comme des sapeurs. Mes affaires en pèse. Allez, à bientôt. Bye. Dis-lui que je peux lui donner 100 dollars par semaine, avec en plus 3 repas par jour et un lit, dans le local de la maintenance. Ça lui va? Dice que te va a dar 100 dollars por semana y 3 comidas por día, y que te puedes quedar adentro del cuarto de atrás. Gracias, señor. Está bien. D'accord. Alors, donne-lui de quoi se laver un peu et ensuite qu'il nettoie le sol de la cuisine. Lavar la cocina, ok? Je vais lui dire. Bien, bien. Tout ça est bien légal. Oh, allons, Amanda. On a besoin d'un coup de main pendant ta grossesse et lui a besoin de boulot. Tout le monde est content. Comme ça, notre petit apprendra l'espagnol. L'Amérique est une terre d'asile, chérie. Un jour ou l'autre, nous avons tous été des immigrants. Je sais. La seule chose qui m'ennuie, c'est qu'un étranger rôde autour de la caisse et qu'on doive tout fermer à clé. Bien, justement, je comptais lui confier tes clés. Oh, Carlos, yo tengo su llamas. Aquí, le camion est disponible le samedi soir. Je les ai. Salut, toi. Tiens, Kyle. Chérie, ton petit déjeuner est sur la table. Dépêche-toi, le car va passer dans 2 minutes. D'accord. Qu'est-ce que tu étais en train de me dire? Excusez-moi, monsieur, mais j'ai du travail. Oh! Ici Randy Stein. Je crois que notre planète est victime d'une conspiration. Une grande conspiration qui doit mettre les Américains au chômage. Écoutez-moi. Cette récession dont nous sommes censés être sortis, qui l'a provoquée?
Vous connaissez la réponse. Bonnet blanc et blanc bonnet. Autrement dit, milieu d'affaires et gouvernement. Pourquoi ? Pour couler les puissants syndicats et remplacer la moitié de la main-d'œuvre locale par des immigrants à meilleur marché. Politique opportuniste. En attendant, que sont devenus le bon vieux savoir-faire américain, la bonne vieille huile de coude payée au jour le jour ? Car c'est bien ainsi que ça se passait, ne l'oubliez pas. Hé, hey, mon vieux, c'est à toi que je parle. Oui, toi, là, qui attends qu'une vieille dame te serve du bacon et qui reste là, les yeux perdus dans le vague. Tu crois que tu es fait pour ça, hein ? Et quand vas-tu te réveiller ? Oh, tu m'entends ? Au revoir, chérie. Regardez les choses en face. Combien d'entre vous ont perdu leur boulot, hein ? J'ai oublié les clés. Tu peux me les passer ? Les technocrates de Washington vous ont promis un recyclage. Au fait, je t'ai laissé des côtes de porc dans le frigo. C'est pas vrai ? Mais est-ce que votre entreprise vous le paye, ce recyclage ? Ne m'appelez pas. Je connais la réponse. Et si vous payez ce recyclage vous-même, vous découvrirez quoi ? Vous découvrirez que haute technologie veut dire automatisé. Réveillez-vous, vous découvrirez que 10 d'entre vous s'entraînent pour faire le même job, alors qu'il n'y a qu'une seule place à prendre. Vous découvrirez que ça la seule va, chance que vous en laissez les technocrates, oui, c'est d'avoir je vais bien. Une place bien. Dans l'armée des chômeurs. Je ne devrais pas écouter ces bêtises. Quoi, hmm bon, il faut que j'aille travailler. Je serai là vers 5 heures. C'est toi, mon vieux, qui devrais te sentir mal. Moi, je ne suis là que pour t'aider. Je suis un mec sympa, non ? Alors merci. Ici Randy Stein. Je vous laisse un moment, le temps du bulletin météo. Ensuite, je reviendrai m'occuper de vous. Dans la journée de mardi, le ciel sera dégagé au-dessus de Los Angeles et des régions avoisinantes après quelques brumes matinales vite dissipées. Les températures sont complètement supérieures aux moyennes saisonnières. Rien ne peut les arrêter, incroyable. Il y a 2 jours, les mêmes cellules ne laissaient pénétrer aucun rétrovirus. Est-ce que par hasard, l'ADN aurait subi une mutation ? Tu es sûr que personne n'a échangé tes prélèvements ? C'est ça, t'as raison. Faisons un peu de paranoïa. Écoute, la frontière qui sépare la prudence de la paranoïa est infime. Et moi, je suis plutôt du genre prudente. Alors, l'équipe va dîner au Karma ce week-end ? Moi, j'ai du boulot. Oui, et moi, je connais un certain médecin qui compte bien y aller avec toi. Elle t'a mise au courant ? Mmh. Il y a une conspiration mondiale contre les hommes. Salut, Beth. Rita, alors tu élargis ton horizon ? J'adore toutes ces histoires d'enlèvement. Oui, surtout quand s'y mêle le sexe. C'est un terme médical, sexe ? J'en sais plus rien. Hé, hey, tu te prétends médecin. Combien on a fait d'interventions cette nuit ? 5. Sans compter le cinglé qui s'est tiré une balle dans le pied, les 3 victimes du carambolage, les 7 overdoses et les 3 agressions domestiques au couteau. Dieu reconnaîtra les siens. Oh, je me sens déprimée. Tu n'as pas dormi depuis 24 heures. Je me sens fatiguée et déprimée. Je te laisse. À plus tard, Rita. Mm-hmm. Le docteur Allen s'est demandé d'urgence au bloc opératoire. Jamais je n'aurais pensé que tu pourrais te libérer. C'est le seul moment où je peux te voir. Oh, Josh, j'ai tellement envie de toi. Moi aussi, j'ai envie de toi. Oh, est-ce que tu as tout ce qu'il faut ? J'ai tout prévu. C'est vrai ? Oui. Et de la nourriture pour cette nuit ? J'ai de la nourriture. Oh. Viens là. Oh, mon Dieu. Oh, j'ai envie de toi. Moi aussi. Oh, faut qu'on arrête de se voir. Non, 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 jamais, jamais. Oh, le concierge doit se douter de quelque chose. Jamais demandé pourquoi il avait toutes ces visions. Je vais te le dire. Parce qu'il est fêlé. Et ils vont le remettre en liberté. Homicide par imprudence, il a purgé sa peine. Non, je veux dire que ce type est un danger public. Et s'il n'avait pas tué quelqu'un, on l'aurait jamais enfermé. Tu sais bien que c'est la vérité.
n'apprendrez rien en vous disant que les cols blancs de Washington trafiquent les statistiques et leur font dire exactement ce qu'ils veulent dans le but de nous manipuler, nous autres, les obscurs, les sans-grades, accrochés à leur misérable bulletin de paye. Voyez ce que je veux dire? Vous cherchez toujours un emploi? Mais les types qui font la loi n'en ont rien à faire, bien au contraire. C'est comme ça qu'ils font fortune. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire, hein? Qu'est-ce qu'on peut bien y changer? Vous m'entendez? Ou dois-je être plus précis? Votre représentant au Congrès est manipulé par les membres de l'ONU. USA. Vous savez ce que ça veut dire aujourd'hui? USA, Union des sans-activité. Sans travail, hey, sans argent. J'ai oublié ses affaires dans le vestiaire. Tu crois que je peux aller les chercher? Je vois que vous commencez à comprendre que ce n'est pas en pleurnichant que vous allez changer les choses. Alors qu'est-ce que vous comptez faire? Quand tous les blessés seront là, on aura besoin de renforts. Ce sont les plus atteints? Ils sont tous très amochés. Celui-là a des fractures et un poumon perforé. Celui-ci a reçu des débris de l'explosion sur la tête. On n'a aucun renseignement sur lui. Josh. J'ai compris. Une prise de sang. Tu en as déjà fait? Deux fois, mais je n'ai pas voulu prendre de risques. Je l'ai déjà dit, lieutenant. Son cœur s'est arrêté, j'ai appelé l'équipe d'urgence et j'ai demandé de l'adrénaline. Où étiez-vous? Combien de fois vous allez me le répéter? Soyez patient, docteur. Croyez bien que ça ne m'amuse pas de jouer les Columbo. Où étiez-vous, s'il vous plaît? J'étais exactement ici, j'attendais le défibrillateur. Pendant combien de temps? Mais 10 secondes maximum. Quand vous étiez là, vous ne pouviez pas voir le lit, n'est-ce pas?
Non. Mais vous croyez avoir vu une lueur? Exact. À l'angle de mon champ visuel. C'était peut-être une lampe ou je ne sais pas quoi, mais quand je suis revenu, le gars avait disparu. Alors que son cœur s'était arrêté. Quand je l'ai quitté, je vous répète qu'il avait une syncope. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? C'était la panique. Il n'y avait pas assez de médecins et je donnais un coup de main. Je ne sais pas. Mais j'aimerais entendre quelque chose de logique. Est-ce que vous me dites tout? Je lui ai fait une prise de sang. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un suspect, mais d'un témoin. Alors, il y a du neuf? Nada, mieux que David Copperfield. Il se pourrait qu'il travaille à Las Vegas. Il n'a pas dû aller loin. Son cœur ne battait plus. Hein, docteur? Tu l'as déposé là quand t'es entré, ça doit être là quand tu sors. Alors, le pilote, où tu vas? Barstow. Alors, monte. Alors, quoi de neuf? Un truc bizarre. Tiens, vas-y, jette un coup d'œil. Où est-ce que t'as pris ça? Sur le gars qui a disparu. On sait que c'est le type A, mais je n'ai pas trouvé son facteur rhésus, alors j'ai décidé de faire quelques analyses. En tout cas, il est antivirulent, il n'y a pas de doute. Il balaye tous les microbes, virus et germes, HIV, SIV et tout le reste. Tu n'as pas touché au gène? Je n'ai touché à rien. Cet individu, quel qu'il soit ou ait pu être, est immunisé contre tout. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Je ne vais pas le laisser ici, ça c'est sûr. Est-ce que Marty possède des armes? Revolver ou autre? Oui, il a un fusil de chasse sous son lit. Je l'ai. Ah oui, merci. Est-ce que vous savez comment il a obtenu les explosifs? Non. Il appartient à un club d'amateurs d'armes? Ou à une organisation politique? Une association. C'était un grand amateur de handball. Il jouait le jeudi. Il était tout ce qu'il y a de plus normal. Ça l'a tué. De perdre son travail. Il a beaucoup changé. Il a commencé
à voir des choses dans sa tête, à faire des choses bizarres. Je ne sais rien d'autre. Trois cent trente-trois, trois cent trente-quatre, trois cent trente-cinq, trois cent trente-six, trois cent trente-sept. J'ai dépassé les 500 l'autre jour. J'aime bien les compter. C'est bien. Bon, vous voyez ce que je fais? Il faut bien gratter le grill avant de le nettoyer, d'accord? Gratter. Il doit être brûlant. Brûlant. Caliente, si? Mande. Tiene que raspar la parrilla caliente. Porque quite la grasa. Ah, si, si, je comprendo. Quand es-tu sorti? Environ à 10 heures ce matin. Nolan, j'appelle la police. Pourquoi un mandat? Tu le sais pourquoi. Il y a un mandat d'arrêt. Non, 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 écoute-moi. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je sais pas. Nous nous sommes bâtis une vie normale. Et tu es venu ici pour la foutre en l'air, c'est bien ça? Non. Je savais même pas que tu étais là. J'ai vu s'arrêter le camion et... Et tu as une vision, oh Seigneur! Salut, Nolan. Il n'a pas changé. Il est revenu parce qu'il a eu une vision. Du calme, du calme. Où voulais-tu qu'il aille, Amanda? À mon avis, il doit avoir besoin d'argent. Pas vrai, Nolan? Oui, je crois. Pas de problème. Est-ce que 200 dollars, ça te suffit? Non, 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 c'est... Allez, tiens. Merci, Jerry. Mon copain retourne à Los Angeles. Il se fera un plaisir de t'emmener. Oui. Pas de problème. Nolan, est-ce qu'il t'a reconnu? Est-ce que Kyle t'a reconnu? Non, je ne crois pas. Il est bien. Je sais très bien que c'est dur pour toi, mais c'est mieux pour le gamin. Je te remercie, mon gars. Je t'en prie, ça me fera de la compagnie. J'ai un truc à vous demander. Ça vous embête si je fume? Bonne chance, Nolan. Conserve deux catégories d'informations concernant le médecin. Tout d'abord le médecin, alors le médecin. Des piqûres.
Quelquefois, je me dis qu'ils contrôlent toute notre vie. Et qui peut dire ce qu'il y a vraiment dans leur prescription, hein? Ils m'ont mis sous sédatif en prison. C'est pour mieux te contrôler. Réfléchis bien, c'est une conspiration. Ils utilisent des psychiatres pour faire les pubs, tu sais, à la télévision. Pour mieux pénétrer dans nos cervelles. Je déteste les psys. Ils ont dit à tout le monde que t'étais cinglé. Jerry m'a raconté ce qu'ils t'ont fait. Qu'ils t'ont retiré ta licence de pilote et foutu ta carrière en l'air. C'est à cause d'eux que tu peux pas voir ton gosse. À mon avis, tous tes problèmes viennent des médecins. J'ai pas raison ou bien j'ai raison? L'emploi est une priorité. L'économie est une priorité. Mais lutter contre la violence croissante doit être également une priorité. Une violence comme celle qu'on a vue hier à Los Angeles ne résout rien et ne fait que nous diviser. Elle nous empêche de progresser sur la voie d'un monde meilleur et plus sûr. Oui, pourquoi? Le favori des élections présidentielles, John Feynman, faisait campagne aujourd'hui dans l'Iowa. Angoissé. Ben, je suis fatigué, c'est tout. Dis-moi, pourquoi on reste pas là ce soir? On commande le dîner et on bouge pas, d'accord? Pas Allez. Question, on y va, toute l'équipe sera là. Oh, tu vas, je suis épuisé, puis en plus je sais pas danser. Si, tu sais. Nous sommes fatigués tous les deux et le monde entier est en train de s'en aller à volo. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas la moindre envie de rester chez moi pour regarder les nouvelles à la télé. Tu veux une bière? Oui, s'il te plaît, bien fraîche. Allez, habille-toi. D'accord. J'ai reçu un message de l'agent immobilier d'Arrowhead. Je crois que tu iras sans moi. Oh, ma chérie, tu arriveras bien à te libérer. D'une semaine à la fin de ce mois, le chalet te donne sur le lac. C'est bien un échantillon de sang que je vois dans le frigo. Oui, j'ai pensé qu'il serait plus en sécurité ici. Oh, et tu as pensé que ce serait une bonne idée de le mettre au frigo, Josh. Écoute, on a plein de problèmes en ce moment au labo. Il y a de plus en plus de choses qui disparaissent. Tu sais que tu deviens parano. Moi, je deviens parano. Tu es médecin et tu vois des litres de sang tous les jours. Je ne les rapporte pas chez moi pour les mettre au frigo. Alors, c'est le sang de qui? De ce type, mystérieux. De ma vie, je n'ai vu un sang aussi bizarre. D'après mes analyses, il ne se conforme à aucun groupe sanguin connu. Oh, je vois. Tu as peut-être mal fait tes analyses. Tu devrais recommencer. Puis, il y a autre chose. Quelque chose que je n'ai pas dit à la police. Quoi? Je l'ai quitté un moment pour aller chercher de l'aide. Je me suis détourné 5 secondes maximum et j'ai vu ce truc à l'angle de mon champ visuel. Une grande lueur comme un éclair ou le flash d'un appareil photo. Une lumière aveuglante. Et comme émise par son lit. Il n'y avait personne dans la pièce. Ce type avait un arrêt cardiaque. C'est dingue. Alors, j'approche et il n'y a rien. Nada. Excepté des mouches qui grouillent sur son lit. Je te jure. Pourquoi tu n'as rien dit à la police? Tu rigoles. Il m'aurait passé une camisole de force. Chérie, écoute, tu as été mis à rude épreuve aujourd'hui. Les urgences, c'est pas une sinécure, je le sais bien. Je sais. Au fond, tu as raison, on devrait aller à Arrowhead. Des vacances nous feraient du bien. Thank you.
fais pas plus loin. Merci pour l'accompagner. Merci. Pas de quoi, mon pote. Hey, t'as oublié quelque chose? Comment va-t-elle? Comme si, comme ça. Il paraît que le tueur venait de sortir de prison. Je sais, c'est impensable. Dis, si tu as besoin de moi, ça me ferait plaisir de rester. Ah non, 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 vas-y, rentre. La nuit a été longue pour toi aussi. Merci, Grace. Pauvre Josh. Sédatif pour t'aider à dormir un peu. Je devrais nettoyer ses affaires. Non, Hélène, ça peut attendre. Maintenant, repose-toi. Je vais rester avec toi cette nuit. Nous devions partir en vacances ensemble à la fin du mois. Peut-être que le projet aurait avorté. Tu sais, on fait des plans et ensuite, on laisse le temps passer. Ensuite, il est trop tard. Dieu. C'est insensé de penser que moi, qui sauve des vies humaines tous les jours, j'aurais dû faire quelque chose. Je n'ai rien pu faire. Mon Dieu, Rita. Dieu qu'il ne voulait pas sortir ce soir. Calme-toi. Allons. Calme-toi. Allons. Allons. Voilà. Weber, le docteur Josh Weber, tu ne le connais pas? Qui? Le type que tu as descendu. Non, c'est pas moi. C'est Monk qui l'a tué, je vous dis. Hélas pour toi, Nolan, tes empreintes sont les seules qu'on ait relevées sur l'arme.
Si tu ne connaissais pas Josh Weber, alors comment l'as-tu trouvé? Je sais pas. Écoutez, Monk, c'est lui qui m'a conduit là-bas, dans sa camionnette. C'est lui qui a tué ce type. Il me faut faire des choses. Vous comprenez? Ils sont à l'intérieur de ma tête et ils me font faire des choses. Qui ça, il? C'est eux. Attendez, je vous en prie. Demain? Non. Non, pas demain. S'il vous plaît, il faut que vous m'écoutiez. Attendez. Oh mon Dieu. J'ai appelé l'hôpital. Ils sont d'accord pour que tu prennes un congé. Je crois que ce serait une bonne idée. Je ne peux pas, Rita. J'ai des choses à faire. Où avez-vous trouvé ça? Dans le sac à dos de Wood. Il l'avait laissé dans le camion. C'est elle? Oui, avec son fils. Las Vegas, 1987. Aujourd'hui remariée, elle habite à Barstow. Il avait un service de navette entre Las Vegas et Los Angeles. Un avion turbo qu'il pilotait lui-même. Et alors? Il a commencé à avoir des problèmes psychiques, du genre vision, apparition d'ovnis ou des voix dans sa tête. Et il a perdu sa licence. Et l'affaire? Fin des années 80. Faillite. Il est devenu fou furieux, condamné pour homicide involontaire. Il a battu un type à mort devant un casino. Une espèce d'écologiste de Harvard. Sa femme a divorcé quand il était en taule. C'est ce qui s'appelle tomber de haut. Écoutez un peu les exploits des Minus qui gèrent le système pénal du Nevada. 24 heures après avoir relâché un tueur, psychopathe, reconnu, devinez quoi? Je dois vraiment vous dire la chute? Réveillez-vous! Qui peut se sentir encore protégé dans ce pays, dans cette ville, dans ce comté, dans ce monde? L'Amérique a un problème de sans-abri. Eh bien moi, j'ai une solution. Donnez aux sans-abri des massues et 10 dollars par semaine et dites-leur d'aller rôder autour des prisons et des asiles. Et si un type s'évade comme ça, ils peuvent l'assommer parfaitement. On règle à la fois le problème des sans-abri et des évadés. Un psychopathe relâché. Oui, eh bien maintenant faites de beaux rêves. Merci. D'abord, on n'aurait jamais dû le relâcher. C'était un malade mental. Je veux dire, un cas pathologique. Est-ce qu'il vous a menacé, vous ou votre fils? Il n'en a pas eu besoin. Il lui a suffi de se montrer, c'est tout. Donc, vous ne savez pas du tout ce qui a pu le pousser à faire ça? Je viens de vous dire que c'est un malade mental. Personne ne peut prévoir ses agissements. Et surtout pas moi. Attendez, je vous prie. J'ai besoin de parler à quelqu'un.
Demain, quand on t'emmènera. Non, pas demain, aujourd'hui, il faut que j'... Allez-y, entrez. Où est votre collègue? Je vais rêver. Comment ça? Je veux pas rêver. S'il vous plaît, avec les sédatifs, j'ai peur de rêver. Peur? De quoi? De plus jamais voir mon fils. D'être vraiment cinglé. Il apprend que j'étais seul quand cet homme a été tué. Vous n'allez pas rêver. Mais il était là. Il m'a conduit là-bas avec son camion. Et il y avait toutes ces mouches. Partout. Et puis j'ai tiré sur lui. En face de l'hôtel. Il y avait plein de sang. Hélène, oh, j'ai eu peur. J'aimerais que tu me rendes un petit service. Tu te souviens que Josh analysait un échantillon de sang du mystérieux type qui a disparu l'autre jour? Oui. Eh bien, j'ai ici un échantillon différent et j'aimerais beaucoup que tu l'analyses. Pour l'ADN, je te promets rien, mais... Ouais, d'accord. Pose-le sur le frigo, je m'en occuperai. Merci. Yeah.
Et les mouches sont souvent associées. Excuse-moi, je suis une scientifique. Josh l'était aussi. Oui, mais il était très fatigué et stressé. Quant à ce Nolan Wood, un véritable aliéné mental qui prétend qu'on a pénétré dans son cerveau. Qui ça? Je ne sais pas. Mais tu dis que tu as trouvé ça devant le club? Oui. Précisément de la police de Los Angeles. Vous connaissez la nouvelle? Vous savez qu'ils ont laissé le tueur fou s'évader du centre médical? Est-ce que quelque chose m'a échappé ou quoi? Comprenez-moi, je suis un défenseur de l'ordre, mais est-ce qu'à Los Angeles, la police ne pourrait pas faire son travail? Ils doivent être si occupés à surveiller des individus qui ne sont pas ici chez eux, qu'ils n'ont plus le temps de protéger ceux d'entre nous qui le sont. Si j'étais à la place du détenu en question, le gentil garçon qui vient de s'échapper, je remercierais la police et je me considérerais comme un sacré cocu. En fait, je prendrais le prochain car pour Las Vegas. T'as gagné le jackpot, mon vieux. Ding, 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 ding. Félicitations. Thank you.
J'ai lancé un avis de recherche sur tout le territoire. J'imagine qu'il est retourné à Barstow. Mais comment? Où ça s'est passé, Coyle? Capitaine, je ne sais pas. Pardon, capitaine. Coyle, le docteur Garza est ici. Garza? Oui, c'était l'ami de George Weber. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne sais pas. Bah, faites-la entrer. Docteur Garza? Venez, docteur, approchez, approchez. Je vous présente le capitaine Johnson. Docteur, acceptez mes condoléances. Merci. Alors, que puis-je faire pour vous? J'ai vu Wood dans sa chambre. Il dit qu'il y avait une autre personne avec lui le soir du crime. Oui, on est au courant. Monk Patterson, le gars qui a quitté Barstow avec lui. Je suis repassé au club. Il y avait du sang sur le trottoir. Oui, madame, Wood a voulu se tuer. Il y avait du sang partout. Je l'ai fait analyser. Ce n'est pas son sang. C'est un sang tout à fait inhabituel. Je vous demande pardon, madame, mais que faisiez-vous dans la chambre de Wood? Je crois que mon intention était de le tuer. Excusez-moi. Je vous accompagne à votre voiture. Merci. J'ai oublié de vous dire une chose. Josh m'a raconté qu'il avait vu un phénomène étrange le soir où cet homme a disparu. Il décrivait ça comme une lueur aveuglante. Il semblait affolé quand il parlait de ça et il disait que des mouches avaient envahi le lit. Et alors? La salle des urgences est briquée, récurée en permanence. Aucune mouche n'aurait pu y pénétrer. Bon, il y a des mouches qui ont réussi à forcer le barrage. Écoutez, Josh gardait une éprouvette de sang chez moi. Un échantillon qui, d'après lui, a été prélevé sur l'inconnu qui a disparu aux urgences. Pourquoi ne pas le faire analyser pour voir si ça concorde? D'accord, allons-y. Merci. Excusez-moi. Oh. Oui, est-ce que je peux vous aider? Vous vendez des allées simples pour Las Vegas? Mais bien sûr, mais vous savez, le billet aller-retour est beaucoup plus avantageux. Est-ce que je ne vous ai pas déjà vu quelque part? Non, je ne crois pas. Non. Bon, bah alors, un aller simple, ça me suffira. Et le prochain départ est à quelle heure? Cet après-midi à 17h30. C'est un bus fumeur. Ça fait rien. Vous êtes acteur, n'est-ce pas? Non. Pourtant, je suis sûre de vous avoir déjà vu. Oh, vous paierez en liquide ou... Je paye par carte, tenez. Très bien, monsieur Erskine. Ça prendra à peine quelques secondes. Et voilà. Ce bus s'arrête à Barstow, c'est bien ça? Vous avez déjà voyagé avec nous, vous voyez, je le savais. Je n'oublie jamais la physionomie. Il l'a rapporté ici le lendemain du jour où l'homme a disparu. Il ne voulait pas le laisser au labo. Il vous a donné une explication? Paranoïa générale. Il n'est plus là. Pourquoi l'avoir apporté chez vous? Nos subventions sont difficiles à obtenir. Il y a une forte concurrence. Il redoutait peut-être un sabotage de ses recherches. Service des urgences? Rita, c'est moi. Est-ce que tu aurais pris quelque chose dans mon frigo l'autre nuit? Oui, j'ai pris du jus de pamplemousse et... j'ai bu 2 bouteilles de soda. Pourquoi tu me demandes ça? Je te rappellerai. Ça alors. Vous pouvez monter. Non, désolée, je ne l'ai pas vu, je m'en souviendrai. Tu as demandé à Rita? Lieutenant, je sais qu'il était là, quelqu'un l'a pris. C'est pas croyable. Ça n'a pas d'importance. Ça a beaucoup d'importance. Non, pas si tu crois que ça correspond au sang pris devant le club. Comment ça?
Écoute, après ton départ ce matin, comment dire, je n'arrivais pas à croire à nos résultats. J'ai donc analysé de nouveau ton échantillon. Et ? Eh bien, j'ai trouvé un facteur rhésus, un type, et les protéines du virus étaient tout ce qu'il y a de normal. C'est inouï. La seule explication, c'est que la première fois, l'ordinateur a dû faire une erreur, ou quelque chose comme ça. Je veux rentrer chez moi. Je sais tout ça. C'est trop dur pour elle. Je pense qu'il faudrait surtout qu'elle dorme un peu. Hey. Dites-il, se peut que j'ai à nouveau besoin de vous voir pour une sorte de complément d'information. Hein? Vous voulez mon numéro personnel? Ah oui, ce serait gentil, je veux bien. Merci. C'est le 555-6895. Grace. Grace. C'est noté, je n'oublierai pas. La seule raison, je vous dis, c'est que c'est la vérité. Il se passe quelque chose ici. J'ignore encore ce que c'est, mais ça me terrorise. Vous préférez le nier? Ça vous regarde. Moi, je ne peux pas. Où est-ce que vous allez maintenant? Vous voulez que je vous dépose quelque part? Non, merci. Ça ne sera pas nécessaire. Excusez-moi. Coyle. Oui, attends, doucement. Il a utilisé une carte de crédit d'Orskine? Ah ouais. Demande-lui s'il s'est fait déposer au resto-route d'Agua Dulce, à Barstow. C'est là qu'habite sa femme. Ouais. D'accord. Rodnick, mets-toi en rapport avec la police de Barstow immédiatement. Interceptez-le. Je vous rejoins tout de suite. Cet homme sait quelque chose. Ne lui faites pas de mal. Parlez-lui. Je n'ai pas l'habitude de torturer les suspects. Pourquoi vous le défendez maintenant? N'oubliez pas qui est ce type. Et n'oubliez pas ce qu'il a fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Kyle, veux-tu me dire ce qu'il y a sur ton bras? Un tatouage? Je veux que tu me nettoies ça immédiatement. Ramasse tes livres, rentre à la maison et mets-toi au lit. Plus vite! Chérie, tu as fait tes devoirs? Terminé. Kyle, mon chéri, excuse-moi, je ne voulais pas crier après toi. Je me sens toute drôle avec cette grossesse. On a eu beaucoup de travail ces jours-ci et je ne suis pas dans mon assiette. C'est rien, maman. Oui, bien sûr, je serai là. Pas de problème, j'arriverai avant eux. Ne t'inquiète pas pour ça. Oui, tout est fin prêt. Il sera là aussi. Oui, ils l'amèneront. Mais je veux te parler de l'autre chose. Il a été analysé? Assure-toi bien qu'il a été analysé. Pas la moindre erreur ne sera tolérée. Est-ce que c'est clair? Bien. Harry! Non, je te remercie beaucoup de m'avoir mis sur le coup. Ben, disons que je suis un peu pris de court, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller. Je sors la dépanneuse et j'arrive. Dis-leur que dans une demi-heure, je serai là. D'accord? Bon, ciao. Hey, Carlos, mollo avec les assiettes, mon vieux. Cuidado! Faut pas casser la marge bénéficiaire. Thank you.
bien chez le docteur Hélène Garza. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant, mais si vous me laissez vos coordonnées et un message, je vous rappellerai dès que possible. S'il s'agit d'une urgence, appuyez sur la touche étoile après avoir laissé votre message. Il me sera transmis au texte. Harry Fanning m'a branché sur un dépannage. Il ne peut pas y aller. Il est déjà sur un autre coup. Tu ne peux pas le confier à quelqu'un d'autre. Impossible. Il m'a appelé en dernier recours. Tous les collègues sont sur la route. Tu sauras te débrouiller seul? Bien sûr. Un œuf à cheval. Mais je n'aime pas rester ici toute seule. Carlos, por favor, mira la señora esta noche. D'accord? Por supuesto. Mais tu vois ce que je veux dire. Ne t'inquiète pas. Tu peux lui faire confiance. Je vais faire aussi vite que possible. Mais on nous a signalé la présence de Nolan Wood dans les environs. S'il revient par ici, c'est qu'il vient chercher mon fils. Vous ne savez pas ce dont il est capable. Madame, nous en avons une certaine idée. Bon, vous allez faire ce que je vous dis. Vous allez rentrer chez vous et vous conduire comme si tout était absolument normal. Tout va se passer très bien et très vite. D'accord, bien chérie. Je t'en prie, faisons ce qu'il nous dit. Il connaît son boulot. Allez, viens. Approchez. Je vous prie, mais dites-lui que c'est urgent. Ne quittez pas. Oh, Seigneur, pourvu qu'ils soient là. Navré, mais le lieutenant Coyle est sorti. Vous désirez laisser un message? Oui, dites-lui d'appeler le docteur Hélène Garza. Le docteur comment? Ça ne fait rien, j'essaierai plus tard. Veuillez rester à vos places, c'est un simple contrôle de routine. Merci pour votre coopération. Veuillez rester à vos places, c'est un simple contrôle de routine. Merci pour votre coopération. Merci. Vous avez la liste des passagers? Bien sûr. Je cherche un certain Robert Erskine. Il avait réservé, mais je ne l'ai pas vu. Hé, hey, mon gars. Je ne m'attendais pas à te revoir de si tôt. Comment est-ce que tu te sens? Ça ne durera qu'une minute. La question, c'est, qu'est-ce qui cloche avec ce joli petit bijou? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond. Dès qu'on l'aura changé, tu seras comme un sou neuf. Négatif, mon vieux. Il faudra en venir là assez tôt, crois-moi. Maintenant, reste calme. Je vais faire tout le travail. Tu as un bus à prendre. Chérie, tout se passera bien. Tu peux faire confiance à Carlos. Et s'il y a le moindre problème, la police reviendra aussitôt. D'accord, mais toi, quand reviendras-tu? Ça peut durer quelques heures. Ne m'attends pas pour dormir. Il ne t'arrivera rien. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime.
soir, vous désirez quelque chose? Cité, por favor. Nada más? Perdóname. El señor Wood está aquí. El señor Wood? Aquí? No. ¿Por qué? Carlos, ¿dónde está Kyle? No sé. Je ne sais pas où il est. Je vais regarder dans la maison. Oui, boy, a casa, sí. Je parle espagnol, je peux traduire. D'accord, merci. Je pense que ce n'est rien. Ce gamin est très indépendant. Dice que está buscando al niño Kyle. No, no está en la casa tampoco. ¿Por qué? Es muy extraño, pero hay unas cosas aquí que me parecen muy extraño, ¿sabes? ¿Kyle? ¡Kyle! ¿Kyle? ¡Kyle! Una luz, sí, en el cielo, era muy brillante, luminosa, como relámpago, pero había un aire de peligro, ¿sabes? Nunca he visto una luz así. ¿Y cuándo es que pasó esto? Bueno, ya hace dos semanas pasado. Carlos, je ne trouve pas Kyle, il a disparu. Thank you.
papa. Viens, on s'en va, on s'en va. Vite, papa. Viens vite. Papa, s'il te plaît.
Merci. Papa. Y a personne à la trousse. Négatif. C'est bon. C'est bien, mon fils. Oh, oh. Il est avec eux, tue-le, papa. N'hésite pas, écrase-le. Allez, vas-y, écrase-le. Papa? Non. Je l'ai déjà vu. Pousse-toi. Merci. Oh! Qui êtes-vous? Monsieur Wood, je m'appelle David Vincent. Il nous cherche. Depuis de nombreuses années, je les traque. Depuis que j'ai commencé à écrire ceci. Mais d'où viennent-ils? Je ne le sais toujours pas. Notre écosystème ne leur convient pas. Ils veulent que nous détruisions la Terre à leur place. Mais pourquoi moi? Au début... Oui, qu'est-ce que j'ai à voir avec eux? Vous aviez un implant comme tous ceux qui étaient dans le hangar. C'est de cette façon qu'ils les contrôlent et les obligent à leur obéir. C'est comme ça qu'ils vous ont forcé à battre à mort un professeur devant le casino de Las Vegas. Oui, mais là-bas, dans le hangar, j'aimerais bien savoir ce qui se passait. Un implant pour chaque extraterrestre, mais c'est devenu inutile aujourd'hui. Car ils seront bientôt plus nombreux que nous. Et finalement, l'espèce humaine disparaîtra. Vous croyez que vous êtes fou, monsieur Wood? Non, je ne le crois plus. Je vous garantis que non. Je vous ai bien observé. Il y a quelque chose dans votre cerveau qui les empêche de vous contrôler, qui perturbe, qui brouille leurs signaux. C'est pourquoi vous avez refusé de tuer le docteur Weber à leur place. Il est possible que ce soit l'autisme de votre enfance. Cette chose dans votre tête est accordée sur leur conscience collective et ce qu'ils désirent, ce qu'ils projettent, vous le voyez. Déformé, sans doute, mais vous le voyez. C'est l'origine de vos visions. Toutes ces années... où j'avais peur de rêver, où j'avais peur de dormir. Vous n'avez plus à avoir peur. Je vais vous demander de m'arrêter là. Pourquoi précisément là? Parce que c'est là que je dois descendre. Mais où allez-vous? Je veux dire... Et pourquoi vous ne restez pas avec nous? Si nous étions tous les deux... capturés, il n'y aurait plus aucun espoir. Nous devons nous séparer pour que l'un puisse continuer sans l'autre. Servez-vous d'eux et de vos visions. N'ayez pas peur. Et lisez ceci, vous y trouverez tout ce que vous devez savoir. Utilisez vos visions. C'est à vous de jouer maintenant. Appelle au Sibiste. Ici Aqua Dulce. Jerry, tu m'entends? Jerry, tu es là, ici Amanda. Je t'en prie, réponds, Jerry. Jerry, je t'en supplie, réponds-moi. Je suis terriblement inquiète au sujet de Kyle. Où es-tu?
Dieu, mon chéri, tu es là, Dieu soit loué. Oh, où est ton père? Qu'est-ce que tu fais là? Où est Jerry? Qu'as-tu fait de lui? Où est-il passé? Écoute-moi. Jerry n'est pas celui que tu crois. Je suis venu pour vous arracher de ses griffes. Je suis venu pour vous deux. Je l'ai vu, maman. Jerry était avec eux. Qu'est-ce que tu as fait de lui? Allez, dis-le-moi. Rien, je te jure. Nolan. Rien. Faites attention. Papa, Kyle, je t'en supplie. Je dois partir. On ne peut pas les laisser seuls avec eux. Écoute-moi. Je ne peux pas t'emmener, c'est trop dangereux. Reste ici avec ta mère. Je reviendrai, je te le promets. Papa, non! Tu fais ce que je te dis. Dis-lui pour le journal. Dis-lui. Tu lui diras. Kyle, chérie! Alors on l'emmène. Allez, papa! Dis-leur, dis-leur tout! T'en fais pas, Kyle. Ça ira. Ils étaient tous là-dedans. Je vous jure qu'on n'est pas des menteurs. Depuis que son père est revenu, il n'est plus du tout dans son assiette. Il est avec eux, monsieur. Écoute, ici, personne ne prétend que tu n'as rien vu dans ce hangar, d'accord? Vous ne me croyez pas. C'est lui que vous croyez. Et Kyle, il n'y a rien là-dedans, ni drôle de machine, ni macabre. Il y a une invasion de mouches, c'est tout. Kyle, écoute-moi. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu aimes beaucoup ton père. Tu l'aimes tellement que tu es capable de mentir pour le défendre. Foutez le camp. Allez, fiston, il est temps de rentrer. Non! Hey! Papa! Hey! Il me faut convaincre d'autres hommes de la réalité de ce que j'ai vu. Eux continuent à s'insinuer dans nos vies. Ils prennent l'enveloppe charnelle d'êtres humains pour remplacer la leur et se fondent dans notre société jusqu'à devenir presque invisibles. Ils sont ici, et ils ont l'intention de nous déposséder de notre planète de la façon la plus insidieuse, en nous laissant la détruire à leur place. Coy? C'est Hélène. Oui. Où êtes-vous? Est-ce que... il y a du nouveau sur l'histoire que vous a raconté le gamin? Absolument rien, Hélène. Qu'est-ce que vous espériez? S'il vous plaît, tâchez d'oublier ça. Dites-moi où vous êtes. Mais quelqu'un a tenté de me tuer la nuit dernière. Est-ce que ça aussi, il faut que j'essaie de l'oublier? Hélène, l'enquête a révélé qu'il s'agissait d'une fuite de gaz et donc d'un accident. Et qu'en est-il de ce David Vincent? Vous, Deka, ils m'ont parlé de ce type, en effet. J'ai fait ma petite enquête. Et vous voulez que je vous dise? C'est un maniaque, Hélène, un maniaque. 20 ans de « les martiens arrivent, les martiens arrivent ». Wood a probablement lu des choses sur lui en prison. Vous devriez vous sortir toutes ces idées de la tête. Voilà mon conseil, mon cher docteur. Vous devriez retourner dès maintenant à l'hôpital et nous laisser nous occuper de Wood. Hélène. Allô? Allô? Hélène.
Qui connaît cette dame là? Oui. Qui est de service pendant le week-end? C'est pour moi. Une fois de plus, je les sens s'approcher de moi. Une fois de plus, je dois abandonner cette maison isolée et délabrée à laquelle je m'étais pourtant attaché. J'ai renoncé depuis longtemps à l'idée d'avoir un foyer, idée incompatible avec une vie de fuite perpétuelle et de peur constante. Quelqu'un ? Y a quelqu'un ? Il semble qu'il n'y ait aucune logique, aucun plan préétabli pour les actes de violence qu'il nous pousse à commettre. C'est plutôt comme une mosaïque où chaque incident fait partie d'une image d'ensemble. L'image d'un monde voué à la violence, au chaos et à la décadence. Et vous savez ce qu'ils vont faire au gars qui a tué le docteur au centre des urgences? Le cerveau de ce cinglé arrêté à Barstow va être passé au scanner. Les autorités disent que ça permettra de découvrir, et je cite, « toute anomalie cérébrale susceptible d'avoir influencé son comportement ». Anomalie cérébrale? C'est quoi ce charabia? Écoutez, Doc, vous voulez que je vous dise, moi, de quoi il est constitué, son cerveau? Vous me mettrez 3 livres de lasagne pour le lobe frontal. C'est une affaire, madame. Voyez-moi, une pièce de collection. Elle a fait 2 fois le tour du compteur, et elle roule toujours, comme au premier jour. Et tout l'espace qui reste entre ces différentes parties Tenez. Est rempli d'eau. Merci. Je dirais même d'eau sale. Vous pouvez me dire pourquoi ils font ça? Ce type est un burné, un point c'est tout. Est-ce que quelqu'un se souvient au moins de ce qu'il a fait et comment il l'a fait? Il a abattu 200 fois un malheureux médecin du centre de soins d'urgence qui ne lui avait rien fait. 200 fois, nom d'un chien. Et maintenant, on lui cherche dans le cerveau des circonstances atténuantes. Alors, monsieur l'avocat, vous avez eu beaucoup de chance d'hériter cette merveilleuse affaire, non? J'espère qu'elle va me rattraper de la dernière. Ici, il est dit que mon client, monsieur Nolan Wood, a un passé d'autiste, des éblouissements chroniques et des visions. Si nous découvrons qu'il est victime d'une tumeur ou de quelque autre anomalie, alors nous aurons une base pour la défense. Remontez encore un peu, s'il vous plaît. Maintenant, détendez-vous. Bonjour. Bonjour. C'est le docteur Garza qui désire observer. Ah, parfait. Excusez-moi.
Docteur Reichsmiller, je suis prêt. Quand vous voudrez. D'accord, Billy. Allons-y, on commence. Cerveau normal, activité normale. S'il y a une quelconque anomalie, je ne la vois pas. Votre opinion, Dr Singh ? Identique. Quoiqu'à y regarder de plus près, il semble y avoir une activité anormale dans la scissure de Rolando. C'est une interférence électronique, n'est-ce pas, Billy ? C'est possible. Je vais essayer de l'éliminer. La région rolandique contrôle de nombreuses activités motrices. Vous êtes sûr qu'elle ne fait pas une erreur ? Je ne me risquerai pas à le lui demander. Cette femme ne fait jamais d'erreur. Je n'arrive pas à éliminer l'interférence. Vous ne pensez pas qu'on puisse trouver une toute petite anomalie ? Vous savez, je ne suis pas exigeant. Absolument rien. Il n'y a pas la moindre anomalie dans le cerveau de cet individu. Je confirme. Bon, navré. L'affaire est réglée, je n'ai plus qu'à récupérer mon homme. C'était la dernière chance. Je passe au plan B. Tu devrais y renoncer. Non, s'ils avaient trouvé quelque chose, j'y aurais renoncé. Le badge. Voulez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Le docteur Reichsmiller veut qu'on l'emmène à la radio. Non, non, pas de métal, pas de menottes. Par ici, par ici. Avancez. Qu'est-ce que vous faites ? J'ai lu le journal de Vincent, je vais vous sortir de là. Vite, 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 par ici, avance. Où est-il ? À la radio ? Vous l'avez lâché ? C'est le docteur qui en a donné l'ordre. Bloquez toutes les issues, vite ! Allons-y ! Que se passe-t-il ? Nom de Dieu. Je ne comprends rien. Moi non plus. Vous savez que vous allez vous attirer des ennuis ? Je dois être folle. J'ai fichu en l'air 7 années d'études médicales. Vite, montez dans la voiture. Montez dans la voiture ! Solaire, des pastilles à la menthe et $250 en petite monnaie. Quel gâchis. Ils sont sûrement là. Ça ne manque pas d'endroit où se cacher. C'est pas mon avis. Alors, comment elle a fait ? Changer de voiture. Alors, ça va ? Bonjour. Navré de vous interrompre, mais vous êtes seul ? Je ne le suis plus. Écoutez, votre amie Hélène a aidé Wood à s'enfuir cet après-midi. Vous voulez dire à s'enfuir de prison ? Non, d'ici. Il venait juste de passer un scanner. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi Hélène est-elle entrée en contact avec l'assassin de Josh ? Excellente question. Surtout pour moi, car c'est moi qui dois le récupérer. Et jusqu'à présent, j'ai récupéré que dalle. L'appartement d'Hélène s'est volatilisé et elle a abandonné sa voiture dans le parking. Ça sert à quoi, ce truc-là ? Donc, vous êtes venu me voir ? Ouais. Exact. Vous êtes son ami, non ? Alors j'ai pensé que vous pourriez me donner
Un tuyau. Eh bien, c'est une fille sensible. Elle doit être déboussolée. Elle est peut-être partie au Mexique, à Puerto Vallarta, où elle est allée l'année dernière avec Josh. Non. Non? Non. Wood a un fils à Barstow, donc ils doivent être restés près de elle. Savez-vous qui sont les amis d'Hélène? Le personnel de son service et des médecins. Qui pourrait vouloir la cacher? Rita? Peut-être bien. Rita. Vos yeux sont bleus ou verts? Oui. Vous savez, en fait, je m'apprêtais à sortir. Est-ce que vous voulez... Oui. D'accord. Ils peuvent vous dépister avec ce truc dans votre tête? Je suis pas certain. Ça ne marche pas aussi bien qu'ils le voudraient. J'ai examiné votre diagramme. Il se peut que votre cerveau fonctionne de façon différente, qu'il brouille leurs signaux. C'est peut-être dû à l'autisme de votre enfance. David Vincent disait la même chose. Il disait que je vois ce qu'il projette. Que je fais partie de leur conscience collective. C'est comme si vous aviez une sorte de don psychique. Vous devez l'utiliser. Ça ressemble à un tunnel. Un train dans un tunnel. Ou une sorte de rame de métro. Et il y a un homme qui fait un speech, debout sur une estrade. Voilà ce que je vois. C'est ça. Salut les filles et les garçons. Vous avez appris vos leçons? Alors, qu'est-ce qu'un politicien? Exactement. Un roi de l'embrouille qui vit de pot de vin, un prince de la magouille qui vit aux frais de la princesse. Tenez, en guise d'exemple, prenons ce truc complètement insensé, le nouveau métro. Combien ça va nous coûter encore? 5 milliards, 6 milliards, est-ce qu'on le sait? Ensuite, ils vont nous confisquer nos voitures et nous jeter dans ce tunnel fatal. Je ne plaisante pas, voilà ce qui nous attend. Et ça fera une liberté en moins, la liberté de conduire qui, à mon avis, devrait être inscrite dans la Constitution. Et pourquoi tout ce tohu-bohu? Pour que Juan et Maria n'arrivent pas en retard à leur travail? Mais réveillez-vous, pourquoi est-ce que je paierais ce métro de malheur que d'autres vont utiliser? Intéressant, non? Œuf à cheval. Bonjour, mon chéri. Je sais bien qui vous êtes. Kyle, je vois vos doigts. Les vôtres aussi, et les vôtres, madame. Pas la peine de les cacher sous la table. Kyle, sors d'ici et tout de suite. D'accord, mais on devrait tous sortir d'ici pour respirer un peu d'air frais, ça nous ferait du bien. Où est Jerry? T'as pas vu ce que fait Jerry dans le garage, maman, quand il sort tous les soirs? T'as pas vu ce qu'il respire quand il est là-dedans? Je t'interdis de parler comme ça de ton père. C'est pas mon père. Il est avec eux, maman. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Mais regarde ce qu'ils mangent tous! Œuf à cheval! Je t'en prie, Kyle! Tu ne trouves pas ça bizarre? Carlos, aidez-moi! Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu refuses de les voir tels qu'ils sont? C'est parce que tu en as un dans le ventre? Kyle! Calme-toi, fiston! Ne m'appelle plus jamais comme ça! Mon père s'est échappé! Il ne me laissera pas ici! Il va venir me chercher! D'accord, maintenant, allez, on rentre à la maison. Viens. Fiche le camp. Je vous prie de nous excuser pour ce petit incident. La semaine a été rude. C'est rien, chérie, tu dois être plus patiente avec lui, c'est tout. Ça prendra le temps qu'il faudra. Tout ira bien, ne pleure pas, chérie. Oh. Pourquoi? Chut, c'est fini. Je t'aime. Allez, c'est fini. Nous devons le sortir de là, Hélène. Avant de faire quoi que ce soit d'autre. Nous devons avant tout aller chercher Kyle. Tu sais que la police t'attend sûrement là-bas. Parfois, je me sens envahi par le désespoir. Quand je pense à tout ce que j'ai perdu. Et à la solitude de cette mission que je me suis imposée.
Est-ce que je me fais des illusions? Notre espèce est-elle tellement dominée par son instinct de mort qu'aucun salut n'est possible? Suis-je naïf au point d'avoir encore confiance en mon prochain? Je suis sans doute là pour ça. Pour la confiance? Oui. Je l'ai perdue. Je voudrais la retrouver. Tu as aussi peur que moi. Tu veux mon avis? Si nous n'avions pas peur, c'est que quelque chose ne tournerait pas rond chez nous. Non, écoutez, ça ne lui ressemble pas. Je n'ai aucune idée de là où il peut être. Il a dû aller en ville dans une galerie de jeux vidéo. Et s'il avait prémédité un rendez-vous avec son père quelque part? Non, il aurait fallu qu'il soit en contact. Non, je ne vois pas comment c'est possible. Moi non plus. Non, écoutez, on est entouré par le désert. J'ai posté mes hommes sur toutes les routes. Il est sûrement dans le coin, pas loin. Je ne vois pas comment l'un ou l'autre pourrait nous échapper. Bonjour, Agua Dulce. Está el señor Suárez aquí? Excusez-moi, vous voulez parler à Carlos? Sí, Carlos Suárez es mi tío. Es muy importante, por favor. Ok, Carlos, téléphone pour toi. Excusez-moi. Ouais, ça va, c'est bon. Dès que vous avez du nouveau, vous nous prévenez, d'accord? Bien sûr. Hola. Señor Suárez, mire, esta es la señora Ellen Garza. La doctora, ¿se acuerda que estaba ahí en el restaurante la semana pasada? Cuando el señor Wood llegó con una pistola. Mire, señor, por favor, mira, es muy importante. De que nadie sepa que soy yo. Yo le dije que era su sobrina. Sí, así es, Juana. Gracias. ¿Está el niño Kyle por ahí? No, se salió anoche y se fue. Y la policía está aquí también. Señor Suárez, mira... Tengo que preguntarle un favor. Mira, yo estoy aquí con el papá del niño. Nosotros queremos encontrar a Kyle, pero él está en peligro y queremos llevarlo con nosotros. ¿Usted nos puede ayudar? Sí, seguro que sí. Él va bien. Señor Suárez, es el señor Wood. Sí. ¿Usted sabe dónde está el río? Sí. Bueno. Dans le désert et par cette chaleur, ils n'ont pas la moindre chance, vous pouvez me croire. Carlos, qui était au téléphone? La fille de ma sœur. Ah, oh, votre nièce? Ma nièce, oui, Juana. Gracias, elle habite à Los Angeles. Pourriez-vous dire à Juana d'éviter d'utiliser ce numéro, c'est-à-dire no teléfono personale en esta línea? Ok, c'est un numéro professionnel. Si. Gracias. Bonjour Los Angeles, ici Randy Stein qui vient mettre un peu de vérité dans votre café et un peu de crème dans votre brouillard. Vous avez entendu la dernière au sujet de ce bon dieu de métro de malheur?
Il semblerait qu'au moment de la construction des tunnels, les ouvriers ne les aient pas isolés assez bien. Réveillez-vous ! Vous savez comment on écrit méthane ? Je vais vous le dire, moi, comment ça s'écrit. B-O-U-M ! Boum ! C'est clair ? Chouette ! Il y a quelques jours encore, j'avais une vie. J'avais un job, une maison, de l'amour, un homme. Comment est-ce que j'en suis arrivée là ? Je me suis souvent posé cette question ces 7 dernières années. Mais tu sais, t'es pas obligé de continuer. Si tu le désires, tu peux rentrer. C'est exclu. Je ne peux plus. Ce Feynman, c'est un écologiste, n'est-ce pas? Oui, le nerf de son programme, c'est la pollution. L'homme que j'ai tué était également un écologiste. Est-ce que dans son journal, David Vincent ne parlait pas de... nous déposséder de la planète de la façon la plus insidieuse qu'on puisse imaginer? En nous laissant la détruire à leur place. Oh, mon Dieu. Il faut qu'on raconte ça à Coyle. Suis-moi. Non, non, attends, le journal. Trop tard, laisse-le. Pas question, il est dans la voiture. Trop tard, je te dis. Allons-nous-en, dépêche-toi. Allez, viens, viens. Par là. Les voilà, les voilà. De la monnaie. Et voilà. Ça correspond exactement aux visions de Wood. Un tunnel, un train, Feynman inaugurant le nouveau métro. C'est un environnementaliste, peut-être même notre futur président. Je veux dire que c'est la proie idéale pour eux. Oui, c'est ça. Je vais foutre toute ma carrière en l'air simplement parce qu'un fêlé, un ex-détenu, a quelques visions dans la tête. C'est ce que vous voulez. Je vous en prie, Coyle. Vous devriez lire le journal. Allez voir la maison de San Pedro. Tout est là, collé sur les murs. Il y a toutes les preuves. David Vincent les traque depuis des années. Hélène, écoutez-moi. Il n'est pas trop tard. Soyez raisonnable. Je me fie à lui. Peut-être accepterez-vous un jour d'ouvrir les yeux? Oui, je vais y réfléchir. Mais pour l'instant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer votre vie à fuir? Pas si vous nous aidez. Et si nous réussissons à vous convaincre d'ouvrir les yeux. Je vous en conjure. Lisez le journal. Notre seul espoir, c'est vous. Thank you.
capitaine, je suis un bon flic. Mais je dois vous avouer que j'ai lu le journal de ce fameux David Vincent. Je l'ai lu et à mon avis, tout n'est pas acheté. Là. Vincent ? Vous accordez du crédit à cet amateur de martien ? Non, monsieur. Écoutez-moi. Tout ce que je dis, c'est qu'on devrait se montrer prudent, c'est tout. Vous avez trop fréquenté Nolan Wood. Non, mais vous croyez que je peux contacter les agents fédéraux pour ça ? La sécurité d'un candidat présidentiel est en jeu, monsieur. Que peut-il arriver de pire si je me trompe ? Le ministère va se couvrir de ridicule. D'accord, oui, c'est vrai. Mais si j'ai raison. Allez vous reposer. Je contacterai les agents fédéraux et j'essaierai de faire annuler le meeting. Vous devriez aller dormir un peu. Ah, Coy. Dans votre intérêt, je vous conseille de ne parler de tout ça à personne d'autre. Vous avez un malaise ? Pardon, j'ai... C'est ma grossesse. Et toute cette fumée, je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais. Je vous en prie, allez-y, nous pouvons attendre. Merci. J'ai cru entendre quelque chose et je suis allé voir. Excuse-moi, ma chérie. Tu as la chair de poule. Kyle est toujours introuvable. Ah, t'inquiète pas, il va rentrer dès qu'il aura froid ou faim. Les gosses ont l'instinct de conservation. Et Nolan ? La police le capturera avant même qu'il s'approche d'ici. Et viens là, ma chérie. Approche. Tu n'as rien à craindre, crois-moi, Amanda. Nous avons un bébé. Nous avons notre vie. Aie confiance en moi, Amanda. Parce que je désire le bonheur de chacun de nous. Parce que je t'aime.
silencio. Lâche-moi. Ton père m'a... C'est pas mon père. Non, Wood. Wood. Hé, Seigneur Wood. Mon père t'a parlé, c'est vrai? Si. Mais où est-ce qu'il est? Donde? À Los Angeles. Je t'amène. Tout de suite? Oui, ahora. Chanter ça cette nuit pendant ton sommeil. C'était la chanson préférée de Kyle à 3 ans. Le soir, quand je le couchais, il disait « Papa, chante le petit navire. J'ai peur. Il y a des monstres dans l'armoire. » Mon fils, tu l'aimes beaucoup. Durant ces 7 années en prison, je n'ai pensé qu'à lui. J'ai toujours cru que j'aurais des quantités de gosses. Mm-hmm. J'imaginais le dimanche au lit, tu sais, je les aurais chouchoutées, chatouillées. Des miettes de pain et de tendresse planent au drap. Vamonos, apúrate. Vamonos! Non! Laisse tomber! Kyle! Kyle, Kyle! Je suis très, très déçu. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour être un bon père. Crois-moi, j'aime beaucoup, beaucoup ta mère, fiston. Et je sais que nous aurions pu faire ensemble une famille merveilleuse et heureuse. Oh non, non! Laisse-moi! Laisse-nous tranquille! Non, fiston. Non, j'ai bien peur que les choses se passent très différemment. Maman! Vamos, vamos. Viens, maman, allons-nous-en maintenant. Non. Papa est à Los Angeles, maman. Carlos va nous emmener. Es la verdad, señora. Papa avait raison, il n'est pas fou. Je sais. Prenez ce qu'il vous faut. Cuidado, sí. Cuidado. Kyle, n'oublie jamais combien je tiens à toi, mon amour. Plus qu'à la prunelle de mes yeux. Non, maman, il faut que tu viennes avec nous. Tu es un homme, maintenant. Tu es le digne fils de ton père, Kyle. Allez, emmenez-le. 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 Maman. Jenny. Maman. Non, il est avec eux. Maman. Maman. Non. Chut, Kyle. Kyle, je dois rester ici avec lui. Tout ira bien, tu verras. Et Carlos, vamonos. Rapido. Nous devons partir. Non, maman. Va, mon amour. Va et ne t'arrête pas en route. Vamonos. Vamonos, Carlos. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Je suis là avec toi. Il n'y a que toi et moi et notre bébé. Thank you.
maman. Lo siento, chico. Lo siento. Vámonos, Carlos, vámonos. Venga. C'est Kyle, et ce numéro que me dit tu vois pas. Pourtant, ils sont sûrement là. Écoute, on va attendre, je rappellerai plus tard. Union Station, 10h du matin. Qu'est-ce? Si on allait voir. Aujourd'hui, le sénateur écologiste Feynman va inaugurer la nouvelle ligne pour Hollywood afin de nous montrer combien il est dévoué et comment ce métro va résoudre tous les problèmes de pollution en vidant les rues de leurs voitures. Ouais, bon, et demain, il y aura des singes qui me pousseront dans les oreilles, entre autres choses. L'express de 15h23 pour San Diego s'arrêtera à 100%. Ça fait 10 ans que tu traques ce type, et tout à coup, il te fait gober une histoire de conspiration, de sénateur et de bombe. Écoute, Rodnick, je t'ai pas demandé de venir avec moi. Mais maintenant que tu es là, tu vas essayer de m'aider, hein? Ah oui, ça y est, je comprends. Tout ça, c'est une ruse. Tu vas coincer Wood en face du sénateur. Bonne idée, Coyle. Pincer ce cinglé devant 3 caméras de télévision. Tu voudrais pas me rendre un service? Va à la station d'Hollywood et reviens ici avec 2 ou 3 de nos gars. Il y aura foule ici, faudra garder ton sang-froid. Je sais que le sénateur a un wagon pour lui, mais j'aurais besoin de tes yeux, tu comprends? Bon, je vais prendre le métro. Et moi, ouvrir l'œil. J'aurai de l'intuition. Compte là-dessus. Allez, rendez-vous à Hollywood. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter notre invité d'honneur, l'éminent sénateur de l'État de Californie, Alex Feynman. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'ai le grand plaisir de m'adresser à vous à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle ligne de ce magnifique métro que vous avez eu la bonne idée de construire dans cette ville. Est-ce que nous pouvons nous permettre d'ignorer certains signes? Est-ce que nous pouvons nous permettre d'aliéner l'avenir de nos enfants en restant sur des positions rétrogrades? Rendez-vous à la station Hollywood. Si tu ne me vois pas, retourne à la maison de Vincent et attends l'appel de Kyle, s'il te plaît. Il ne saura pas qui d'autre te contacter. Le train...
train à destination de San Francisco va partir. Attention à la fermeture automatique des portes. Attends. Quai numéro 15, départ imminent. Attention à la fermeture automatique des portes. On annonce un retard de 10 minutes. Nolan, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Problème dans... dans la ventilation. Le système de... comment s'appelle? Ce gaz qui est sous Los Angeles et dont les gens parlent toujours... Le méthane, c'est un gaz très volatile. Mais pourquoi? Le train en provenance de Stockton est annoncé quai numéro 11. Excusez-moi. Pourquoi toutes ces mesures de sécurité? Vous ne devez pas lire les journaux. Le sénateur Feynman va inaugurer le train. Tout le gratin médiatique est là pour sa conférence de presse en l'honneur de la nouvelle gare. Je peux laisser entrer personne après 10 heures. Désolé. Qu'est-ce que c'est que ces types habillés en jaune avec des chiens? Les chiens nifleurs. Oh, ils vérifient que tout est normal. On dirait que le candidat est déjà à la Maison Blanche avec toutes ces mesures de sécurité. On n'est jamais trop prudent par les temps qui courent. Oui, vous avez raison. Je vous pose la question, mesdames et messieurs. Qu'arrivera-t-il quand nos rues deviendront si crasseuses et l'air que nous respirons si chargé de pollution que nous ne saurons plus où nous réfugier? Nous devons réagir tous au plus vite pour qu'un jour les alertes à la pollution ne soient plus qu'un lointain souvenir et que l'air que nous respirons ici à Los Angeles soit comparable à celui qu'ils ont la chance de pouvoir respirer au Canada. Oui, ici Billy Clay. Je suis au poste de sécurité numéro 1. Donnez votre code d'identification. Oui, tout de suite. Oui, A-71-72. D'accord, allez-y. Vos gars sont chargés de la ventilation, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Vous n'avez rien remarqué d'anormal? Une fuite de méthane ou quelque chose comme ça? Et depuis quand les agents de la sécurité s'intéressent à la chimie? Soyez gentils, vérifiez. D'accord, d'accord. Oui. Pas de problème, tout semble absolument normal. De toute façon, nous avons une ventilation de secours si jamais celle-ci nous lâchait, ce qui ne sera pas le cas. Merci de vous en soucier. Il s'agit de savoir si nous voulons que nos enfants aient une qualité de vie meilleure ou pire. Rien. Et cela, mesdames et messieurs, c'est une question de choix politique. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui. Qui? Monk. Il est avec eux. Il a tué Josh. Oh mon Dieu! L'express de San Diego qui s'arrête à San Clemente et à la fin partira dans 2 minutes 3 numéro 2, quai numéro 1. Express de San Diego, voie numéro 2, quai numéro 1. De sécurité. À vous de m'écouter. Les ventilateurs sont réglés automatiquement. S'ils détectent la moindre particule de méthane dans l'air du tunnel, ils se mettent en route tout seuls. Et les aérateurs évacueront tout gaz indésirable. Quelque chose ne marche pas. Écoutez, je ne peux pas arrêter l'inauguration sans motif sérieux. Envoyez juste quelqu'un effectuer un contrôle manuel. Je vous en prie. Écoutez-moi, il y a tellement de méthane là-dedans que la moindre étincelle effacerait le sénateur de la face du monde. Détenez-vous ces informations, Clay. Faites ce que je vous dis. D'accord? Vous risquez seulement de perdre 20 minutes, c'est quand même pas la mer à boire. Schneider, envoie tes gars contrôler les conduits de ventilation de la voie nord. Demande-leur de faire quelques relevés. Ce voyage jusqu'au nouveau quai de la station Hollywood symbolise un autre voyage qui sera long et accidenté. Un voyage
vers ce futur où nos enfants et les enfants de nos enfants pourront vivre non seulement... C'est Coyle. Il doit avoir lu le journal. Dans un monde pacifique et sain. Et maintenant, grâce à votre fidèle soutien, embarquons pour le futur. Coyle, ne laissez pas le sénateur aller sur... Coyle... Pas un geste! Police! Mettez les mains en l'air! Qu'est-ce qui se passe? Cet homme est un fugitif recherché pour meurtre. Il doit être arrêté. Espèce de salaud, de pourriture! Attention, il s'enfuit! Papa! Attends, attends! Lâchez-moi! Attends! Chut! Reste là! Papa! Police! Arrêtez où je tire! Il va nous échapper! Vite! Il a dû filer par là! Suivez-moi! Vamos. Adonde. A Hollywood Station. Toi, tu ne lâches pas ma main, chérie. Hein? Tout ira bien, tu verras. D'accord, allez, viens. Ici Schneider, il y a un problème, on dirait que quelqu'un a tripatouillé le compteur. L'indicateur est à zéro, mais mon relevé atteint 92%. Compris, ok. Je vais activer la commande de contrôle manuel. Reçu. Maintenant, mise en route des ventilos de la voie nord. Désolé, mais rien ne bouge ici. Oh merde. Service de sécurité, le sénateur se dirige à l'instant vers le métro. La police urbaine nous escorte. Si le fugitif se manifeste, nous annulons l'opération. Bien sûr, aucune trace du fugitif. Schneider, ici Whitley, depuis le QG, est-ce que tu me reçois? Ah, mon Dieu. Tout le système est en rade. Cette ville tout entière sera plus propre, elle sera plus saine, elle sera plus agréable et elle sera surtout plus vivable. Grâce à ce métro. C'est pourquoi je suis impatient de faire ce premier voyage historique. Merci à tous, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous à Hollywood. Monsieur Feynman, s'il vous plaît, est-ce que vous prendrez des mesures pour restreindre la circulation automobile si vous êtes élu? Vous allez bien, n'oubliez pas de voter. Il y a un problème avec un pivot, faut que j'aille voir ce qui se passe. La situation est très grave. Système en panne, le taux de méthane dépasse maintenant les 92%. Soyez d'une extrême vigilance avec toutes les matières inflammables. Empêchez le train de la voie nord de partir. À vous. QG, ici contrôle point B. Le train part à l'instant sur la voie nord. Je crois que le fugitif est dedans. Je n'en sais rien, Kyle. Pobrecito niño, su mamá está muerta. Oh, Kyle. Oh, oh mon Dieu, je suis désolée pour ta maman.
Pershing Square, ici QG. Communication nulle. Demande d'interception du train de la voie nord. À vous, Pershing Square. Répondez. Donc, résumons. Quand nous arriverons à Hollywood, vous laisserez le temps à la presse de prendre quelques photos de vous sortant du train. Et je crois que Newsday a envoyé là-bas un de ses journalistes. Mes cheveux, ça va? Parfait. Ne vous coiffez pas, ayez l'air naturel. Pas un geste! Donnez-moi votre arme. Donnez-moi votre arme. Allez, maintenant, donnez-moi votre arme. Chacun reste calme. Tout se passera bien. Il n'y a pas de problème. Absolument aucun problème. Allô, QG, on a un problème, le train nous échappe. Lancez le plan d'évacuation, transmettez à toutes les stations. Bien sûr. Ce train arrivera dans 4 minutes à la station Hollywood s'il ne s'arrête pas tout seul. La moindre étincelle dans ces 92% de méthane et tout explose. T'es comme 15 tonnes d'acier qui heurte un mur de béton. Une étincelle, tu parles. Mais rendez-moi service. Trouvez-moi la fréquence des agents de la sécurité et apportez-moi un talkie-walkie. Dépêchez-vous. Pourquoi faites-vous ça? Il saigne. Empêchez-le de saigner, je ne veux pas qu'il meure. Je peux. Mais... Ici Whitley au QG de contrôle. J'appelle le train de la voie nord. Vous me recevez? Ici Whitley, j'appelle le train de la voie nord. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un me reçoit, répondez. Éteignez ça. Ici Whitley au QG de contrôle. J'appelle le train de la voie nord. Vous me recevez? Répondez. Posez-le. Ne bougez pas.
Nolan ? Debout. Attention. Merci. Ça va? Oui, oui, ça peut aller. Poste de contrôle. Ici le train de la voie nord, répondez. Dieu soit loué. Le train de la voie nord, ici, le poste de contrôle. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, les gars? On a un problème. Le technicien s'est fait descendre. Tenez-moi un coup de... Attendez. Passez-le-moi. Là. Clé, c'est vous? Non, c'est... C'est Nolan Wood. D'accord, Nolan, écoutez-moi bien. Vous avez 3 minutes avant de percuter 30 tonnes d'acier et de béton armé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Arrangez-vous pour qu'il se taise. J'y vais. Ok, bien reçu. Le frein de secours, où est-ce qu'il est placé? Surtout pas, non, du... On a une énorme poche de méthane au nord de Pershing Square. La plus infime étincelle et on est tous mis en orbite. Ça exclut donc les armes à feu, entre autres. Quant au train, il faut le manœuvrer en douceur. Vous allez faire ce que je vous dis, Nolan. Alors, regardez, il y a un panneau de contrôle à droite du siège du technicien. Il y a un levier, là. Il faut le mettre en position relevée, compris? Oui, compris. Et maintenant, allez-y, baissez-le tout doucement. Vous devez commencer à sentir une baisse de puissance. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui le bloque, à vous. Bon, très bien. Regardez par en dessous. Il y a un commutateur de passage en mode manuel. Actionnez-le. Négatif. Nom d'un chien, tout le système est en panne. Bon, d'accord. Wood, écoutez-moi. Je vais couper le jus sur tout le réseau. Maintenant, même si vous avez encore de l'énergie, le moteur devrait caler, compris? Oui, oui, j'ai compris. Vous allez faire une dérivation. Vous savez ce que c'est. Regardez tout droit, juste à l'extérieur de la cabine, il y a un panneau au sol, devant vous. Tournez la poignée, soulevez le panneau. Vous devez voir 4 bandes vissées sur la plaque posée sur la roue motrice. Vous les voyez? Oui, je les vois. Ce que nous voulons, c'est inverser la charge, d'accord, Wood? Donc, au lieu que les bornes soient connectées positive sur positive, il nous faut positive sur négative. C'est-à-dire rouge sur noir et noir sur rouge. Comme ça, le moteur se changera en un électroaimant et vous commencerez à ralentir. À vous. Je suis désolé, mais toutes les bornes sont noires. À vous. Je vous entends mal. Votre voix s'éloigne. Whitley, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passera si ma connexion n'est pas la bonne? Vous devez prendre le risque, Wood. Vous n'avez pas d'autre solution que de prendre le risque. Vous allez avoir besoin d'un conducteur pour relier les bornes. Prenez ce qui vous tombe sous la main. Attention, je vais déconnecter le réseau maintenant. De se dérouler sur la nouvelle ligne du métro inaugurée aujourd'hui même par le sénateur Feynman. Il semblerait que le sénateur ait été pris en otage et soit retenu captif dans le train par un ex-détenu nommé Nolan Wood. Toutes les stations sont évacuées en attendant que la police maîtrise la situation.
Oye, ya que vas a volar, vuela. Ok, pues vámonos. Essayez de trouver un bout de métal. N'importe quoi qui soit conducteur. D'accord. Tenez, j'ai quelque chose. Mon bracelet. Je crois que ça devrait marcher. Merci. J'ai trouvé ça. Wood, vous avez fait la dérivation ? Wood, il ne vous reste que 2 minutes jusqu'à Hollywood où en est la dérivation. Wood, vous m'entendez? Wood, répondez, Wood. Vous avez fait la dérivation. Ralentissons. Wood, vous n'avez pas assez de tunnels. Vous m'en recevez. Vous n'avez pas assez de tunnels pour vous arrêter avec cette décélération. Vous devez courir le risque. Vous devez serrer le frein. Wood, vous m'en recevez. Wood, vous m'en recevez. Wood, vous n'avez pas assez de tunnels devant vous. Je crois que c'était MacArthur Park. On n'y arrivera jamais. Reculez, madame, reculez. S'il oui, capitaine, monsieur, Coyle a voulu monter dans le train avec reculez, le sénateur. Dames, je vous reculez, jure que c'est un type réglo, et qu'en faisant ça, il a pris un risque majeur. Oui, monsieur. Si je vois Wood, promis, je m'en occupe. Excusez-moi. Pardon. Attends. Attendez. Restez où vous êtes. S'il vous plaît, veuillez reculer. Laissez-moi passer. Hé hey, non, non, non. Papa. T'es trop dangereux, Kyle. Écoute-moi. Lâchez-moi. Kyle, écoute-moi. Non. T'es trop dangereux, Kyle. Papa. Des raccords haute pression, on dirait. Et qu'est-ce que vous espérez? J'espère qu'ils sont reliés aux freins. Si la pression s'en relâche, ça devrait permettre aux tambours de frein de cirer les roues.
Maintenant, sortons d'ici. Venez. Venez. Vous allez m'aider. Allô, le poste de contrôle. Ici le poste de sécurité de la station Hollywood. Le train de la voie nord s'est arrêté dans la station. Je répète, le train de la voie nord s'est arrêté dans la station. Vous allez récupérer nos voyageurs. La situation reste très dangereuse tant que les ventilos ne sont pas en action. Bien sûr. Le métro est arrêté. Vite, occupez-vous de lui. Attention. Veuillez emprunter les escalators pour accéder au niveau B. Wood, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vous ont eu. Sauvez votre vie. Compris. Allez, tout le monde en arrière. Reculez. Reculez, mon Dieu. Reculez, reculez. Encore, encore. Plus vite. Papa. Hé. Lâchez-moi, lâchez-moi. Circulez, s'il vous plaît. Circulez, il n'y a rien à voir. Ça va. Merci. Mesdames, messieurs, pas d'attroupement, s'il vous plaît. Circulez. Wood, tu viens avec moi. Où est Coyle? Mac? Allez, Mac, je sais que tu es là. Chérie. Je me disais bien que je te trouverais ici. Vas-y, Mac, tire. Tu en es capable? Je t'en prie, Mac. Ce n'est que moi. Grace? Vas-y, tire. Des Grace et des Coyle, il y en aura d'autres. Tu peux y aller. Feu! Une énorme explosion vient de se produire dans le métro et l'on estime qu'un millier de personnes auraient pu être tuées. Les premiers rapports indiquent que Nolan Wood en serait le responsable. C'est le tueur fou qui leur a échappé plusieurs fois. Si jamais ils le capturent, qu'ils le passent encore au scanner avant de le laisser à nouveau s'échapper. C'est bien leur spécialité, non? Et quel sera son prochain exploit? Tiens, pendant qu'on y est, je vous propose un sujet de réflexion. Qu'est-ce qui serait passé s'il avait réussi son coup? S'il avait tué Feynman, le roi des écolos, s'il l'avait fait sauter dans son train de sénateur avec tous les politiciens responsables du métro. J'en connais qui appelleraient ça un homicide légitime. Et quoique je ne sois pas disposé à excuser ceux qui font exploser des trains, voici ma pensée du jour. Peut-être après tout que Nolan Wood n'est pas si fou que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ici Randy Stein. Je vous dis à demain. Cielito lindo, no hay más que un paso. Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo. Cantando se alegra, cielito lindo.